Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans la location saisonnière? Bah écoute, en fait, j'avais acheté un premier appartement pour construire un patrimoine. J'avais mis une première étudiante dans cet appartement. Elle est partie et je me suis dit, bah tiens, comment est-ce que je peux faire pour décupler mes revenus locatifs, gagner plus d'argent avec l'immobilier, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui arrivaient à générer de jolis loyers, de jolis cash flows, mais comment on fait? Et donc j'ai creusé quelles étaient les différentes stratégies immobilières appliquées et je suis tombé sur la location courte durée. Donc j'ai profité de son départ pour faire des travaux et l'aventure a démarré. Donc si elle était restée 5 ans, t'aurais peut-être jamais commencé la Alors, si elle location. était restée 5 ans, peut-être que j'aurais pas démarré, mais il y avait d'autres appartements qui sont venus petit à petit. Donc, j'aurais D'accord. peut-être pas commencé par celui-là, j'aurais commencé par un autre. Alors tu dis quelques appartements, c'est quoi? Un de plus? Deux de Bah plus? à l'époque, en fait, où elle est partie, cette personne, j'en exploitais, enfin, j'étais propriétaire de deux appartements. D'accord, Voilà. ok. Et depuis? Et depuis, On arrive à combien là on aujourd'hui? en est à 9 en location courte durée. 9. Ouais. Donc dans quelle région? Alors, essentiellement le sud-ouest de la France. Donc, nous, on habite Toulouse. Donc, il y en a 8, 8 à Toulouse, 1 à Pau. 8 donc à côté. À côté, 250 km. Hein. Ouais, d'accord. Non, pour moi, parisien, c'est à côté. Ok. Ouais, pour toi, c'est peut-être pas à côté. Donc maintenant, tu fais que du saisonnier, hein, sur Exact. ces appartements. On reviendra sur le tout dernier. Donc ça a décuplé, enfin, ton objectif était de décupler les revenus. Ouais. Qu'est-ce Alors, qui, décu. quel est l'avantage, enfin, au-delà, bien sûr, financièrement, mais aussi on voit que ça t'a permis d'acheter plus Ouais. d'appartements, peut-être. Ouais. Alors, en fait, l'objectif premier, hein, tu l'as dit, c'était vraiment de décupler les revenus locatifs. Moi, j'avais pas d'idée au moment où j'ai démarré de si ça allait être un fois et demi, fois deux. En fait, la réalité, elle est sur du fois 3. Pour te donner un exemple, l'appartement dont je parlais tout à l'heure de l'étudiante, je le louais 450 euros nu à l'époque. Aujourd'hui, c'est un appartement qui fait 20 mètres carrés et que je loue 1500 euros tous les mois en moyenne. Voilà. Donc, le premier avantage, il est là. Et le second avantage que je Parce vois. que ton crédit, tu rembourses la même chose tous les mois, mais par contre, tu Exactement. gagnes bien plus. Ouais, tu gagnes bien, bien plus. Ouais. Et le second avantage, c'est que bah, il n'y a pas de loyer impayé. Je sais que ça peut faire peur à certaines personnes qui ont déjà du patrimoine déjà. C'est vrai, Et puis c'est aussi une crainte pour des personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Est-ce que je vais avoir mes locataires qui paient? Alors j'ai peur, donc j'achète pas d'immobilier. ouais. J'ai pas ce genre de problématique. Si tu veux, les locataires, ils payent et après ils viennent séjourner chez moi. Ça revient très très souvent sur le tapis, c'est ouais, mais si tes locataires ils payent pas, ou comment tu fais? Parce que ton locataire il reste dedans. Alors, même s'il y a des choses à mettre en place pour éviter tout ça, toi en fait le problème ne se pose jamais. Jamais. Et en plus, tu es payé avant que la Exactement. personne séjourne. Ce que je dis souvent, c'est que c'est exactement la même chose que comme quand tu achètes un billet de train ou un billet d'avion. Tu réserves ton billet sur le site de la Ouais. SNCF ou de la compagnie aérienne et après tu montes dans le train. Mais c'est exactement la même chose. Donc eux, ils ont empoché l'argent avant même d'avoir fait Exactement. le service. Ce qui permet de se créer de la trésorerie en fonction des plateformes avec lesquelles tu travailles. Donc c'est un gros point T'as l'argent qui positif. arrive à, t'as l'argent qui Exactement. arrive avant. Pour emprunter aussi, c'est quand même aussi un super. Alors, Enfin, dis-nous un peu, parce que est-ce que ça fait peur aux banques? Parce qu'on a un gros montant. Alors, ça Comment ça fait se gère? peur aux banques, oui et non. C'est-à-dire que le conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est que si on veut démarrer une activité de location courte durée, il ne faut pas aller voir la banque en disant ben, moi je vais louer un studio 1500 euros tous les mois. Ça passera pas, elle ne vous connaît pas, Donc elle ne vous sait pas dire comment vous allez gérer votre activité. Ouais, exactement. C'est comme si demain tu vas voir ton banquier, tu as envie d'ouvrir une boulangerie, tu dis ben, moi je vais vendre 500 baguettes tous les jours. Sur quoi je me base pour vous croire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pareil? Non. En fait, lorsqu'on défend son premier projet, il faut le vendre à la banque comme une location traditionnelle à l'année. Oui. Il faut sécuriser le banquier sur le mode d'exploitation le plus pessimiste possible. Et puis sur l'opération suivante, bah les comptes bancaires m'ont parlé. On va voir Ouais, qu'il y a c'est ça. des loyers qui tombent de Airbnb, de TripAdvisor, de n'importe quelle autre plateforme. Et là, forcément, on ne peut plus le cacher. Et c'est là qu'on montre ses premiers résultats. Tu viens avec la preuve, avec ton relevé de banque Voilà, que tout sur fonctionne. lesquels voilà, ça tombe tous les mois. Et là, c'est pas une estimation. C'est bon, pour l'instant, moi je vous dis, par exemple, il y a 2 ans, j'ai fait un crédit, on avait monté ça comme estimation. Maintenant, c'est 3 fois plus, je vous le montre. Donc maintenant, pour ma prochaine opération, moi je vais dupliquer, quoi. Voilà. Et par contre, je le vends comme du bonus. C'est-à-dire que
Le bien, il faut qu'il s'autofinance et qu'il dégage du cash flow en location traditionnelle. Le reste, ça n'est que du bonus. Donc ce qu'on vient vendre à la banque, c'est du bonus. Même dans la pire des situations, j'ai un bien rentable. Donc il n'y a aucune raison que la banque ne suive pas. Bon, alors, évidemment, il faut avoir des comptes propres, il faut bien présenter le dossier, mais il n'y a aucune raison que la banque ne suive pas. Et toi, les banquiers que tu rencontres, ils sont habitués, ils ont conscience que ça peut être un business en fait, de faire de la location saisonnière. Peut-être quelque chose qui a encore 4-5 ans, c'était pas concevable. Écoute, je pense que c'est pas le cas de toutes les banques. En tout cas, mon banquier ou notre banquier, je pense qu'il a bien compris ce qu'on était en train de faire. Et donc, ouais, je pense que nos interlocuteurs comprennent ce qu'on fait. Maintenant, si demain je vais dans la banque, dans une autre banque que je connais pas, voilà, peut-être que j'aurai affaire à quelqu'un qui va être un petit peu plus frileux sur le sujet. Merci Sébastien. Merci à toi. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.